Gouiné est un gros village à 28 km de Biankuma. Pour parcourir cette distance en voiture, il faut plus de 2 heures au milieu des rochers. À pied, à moto ou en voiture, ce parcours est un véritable calvaire pour les usagers. Je vous dis que ce n'est pas possible. C'est un véritable parcours de combattants. Et pour venir ici, vous l'avez constaté vous-même. Ça fait que quand les enseignants arrivent, bon, ils ne peuvent pas passer 2 années successives dans cette localité. À ces difficultés de route, il faut ajouter l'inexistence d'électricité, d'eau courante, de connexion au réseau téléphonique. Mais malgré cette situation, Gouiné amorce son développement avec l'arrivée de son premier sous-préfet, Fakla Komna Thomas, a célébré dans la joie totale. Un défi pour les cadres de la localité. Nous ferons en sorte que la sous-préfet soit accessible au nouveau sous-préfet. Déjà avec le programme du gouvernement du Brunei Alassane Ouattara, il est dit clairement que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. La sous-préfecture de le village de Gouiné fait plus de 3000 habitants. Nous ne doutons pas un seul instant que ce village sera électrifié. Le nouveau sous-préfet de Gouiné se dit confiant et pense qu'avec la conjugaison des efforts de toute cette chaleureuse population, ce gros village Toura va converger vers un développement harmonieux.